Pirater. Alors vous avez, là je sais pas si je l'ai montré, vous avez 4 essais. Non, 2 essais. Donc si vous ratez 2 essais, eh ben, c'est bloqué définitivement. C'est pour ça qu'il est mieux quand même de faire une petite sauvegarde rapide. Donc, ben, comme ça, si vos 2 essais sont finis, vous faites une chargement et vous retournez qui est là où vous étiez. Donc là, visiblement, c'est la même chose. Donc assez rapide, simple. Donc hop, hop. Hop, protection, protection, capture, 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 capture. Accès autorisé. Et voilà. Donc ça ouvre à quoi? Accès à quoi? Ah, table, amélioration. J'ai gagné un point et nous allons le mettre... ça diminue simplement le recul de tir. Ah mince, je me trompe de touche. Les jambes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Jambes, sprinter plus vite. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Marcher sans se faire repérer. Ok. Voir à traverser les murs, c'est bien, mais ça utilise en même temps des batteries. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est augmenter les batteries. Donc eux, ils appellent ça une cellule énergétique. Nous allons prendre 2 de plus. Ah, je n'en ai plus. Donc ça nous fera donc logiquement 4 cellules. C'est ça, 4 cellules. Très appréciable. Donc je sais pas, ça a déverrouillé quoi. Toujours regarder derrière les boîtes, on sait jamais. Il peut toujours avoir des trucs intéressants. Hop, allez, il faut monter. Là, le truc à courant. Parfait, c'est désactivé. Ça, c'est bloqué. Voilà, le courant est désactivé. Alors là, il y a... il est ici. Apparemment. Alors, ce que je vais faire, moi... est-ce que je peux ramasser ça? Non. Ça, non plus. La chaise. Non, peut-être changer d'arme. Alors je peux toujours pas ramasser. Il doit bien y avoir un truc que je peux ramasser. Voilà ça. Alors sauvegarde. Et on va essayer ça. Voilà. Et toi, je vais te prendre avec moi. S'il y a un ennemi, tu vas t'en charger comme ça. La seule différence, c'est que ça demande du temps à marcher avec. Il y en a encore un autre. Alors d'abord, je vais te péter. Voilà. Et nous allons voir s'il n'y a pas déjà un ennemi. Ah ouais, mais j'ai pas beaucoup de balles. Là, voilà, j'ai beaucoup de balles avec celui-là. Autant qu'à faire. Garder des balles parce que les balles elles se trouvent rarement maintenant. Il y en a même ici. Ok. Donc là vous voyez, ça aurait servi à rien si on aurait pris la mitraillette avec nous. Là ça clignote rouge, il doit avoir un explosif qui ne doit pas être loin.
il n'y a rien. Ok. Je suis déjà venu ici. Qu'est-ce qu'elle dit la mission? Qu'est-ce qu'elle dit la mission? De retourner ici. D'accord. Et bien retournons, d'abord rangeons l'arme. Comment je fais déjà? Voilà, CH. Et allons retourner. Voir ce petit bonhomme. Bonjour madame. Je ne fais que passer. Faites comme si je n'étais pas là. Par contre, j'ai activé le mode marche. C'est quelle touche? Bon, ça, c'est pour sortir l'arme. Je veux pas sortir l'arme à moi. Il doit y avoir une touche pour courir. Ça doit être peut-être par là. Non plus. Ah voilà, c'est là. Ok, okay. C'est bien là. Ah, là, c'est juste derrière, il me semble. Ouais, c'est ce que ça indique en tout cas sur la carte. Hop. Ah. Bon bah ça va, on avance petit à petit, c'est lui. Ok, c'est toi. Je suis très content que tu nous aides, Adam, mais le temps presse. Il faut qu'on trouve White avant qu'il fasse péter quelque chose. Tout est réglé. White est mort. Tu trouveras son corps dans les égouts, sous le commissariat. Ça me soulage. Attends, il est mort? Je veux pas connaître les détails. Et puis, le chef a fini par me prendre au sérieux. Il m'envoie des renforts. Alors on s'occupe de tout maintenant. Super. Autre chose? Ouais. Tiens, prends ça. On a notre petite caisse noire. Ça me plaît pas beaucoup, mais t'as tué un tueur de flics. Et ça, c'est la récompense. D'habitude, je m'en sers pour payer nos informateurs, mais je crois que tu l'as mérité. Même si je suis plutôt déçu que tu l'aies pas ramené vivant, mais c'est pas toujours possible. Et puis, personne ne va le pleurer, staré. Au fait, Nicky, la bombe de White, c'était pas de l'explosif, c'était du gaz. J'ai réussi à la désamorcer, mais tu devrais envoyer une équipe de démineurs pour bien nettoyer le coin. Eh merde! J'ai complètement oublié ça! J'appelle la brigade de déminage. On veut surtout pas que le bilan de ce soir s'alourdisse. Dis donc... On peut dire que j'ai du bol de t'avoir vu ce soir. Je te revaudrais ça autour d'une bière chez Maggie un de ces soirs. Pas de soucis. Du coup, tu pourras m'apprendre à rester cool. Ouais, un de ces soirs. Fais attention à toi, Nicky. Nora 92 au central. Allô, central, à vous. Nora 92, ici central, à vous. Le code 10 de tout à l'heure est une bombe au gaz toxique. Il me faut les démineurs pour tout nettoyer. Dites à l'équipe sur place de ne toucher à rien et mettez le pâté de maison en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. À vous. 4, Nora 92, merci pour l'info. Restez à l'écoute. Terminé. Allez, ciao, ciao, mon petit. Ok, donc nous, quête principale maintenant. Activer. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Entrer. D'accord. Alors ça, j'ai fait ça. Et là... Alors que je me souvienne, qu'est-ce que c'était déjà la mission? Oh là là, je sais plus ça. C'était quoi la mission? Bon, bref. En y allant, on va bien voir ce que c'était.
D'accord, c'est tout là-bas au fond. Et nous, nous sommes ici, c'est ça. Ah, faut monter tout là-haut. Alors, comment faire pour monter là? Appartement. D'accord, donc il doit avoir un truc ici pour monter. Oui, petite déception par contre, on peut pas faire de marqueur. C'est-à-dire cocher un endroit pour pouvoir visualiser sur sa carte. C'est la seule petite déception. À moins qu'il est possible de le faire, mais moi bon, en tout cas je l'ai pas trouvé. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir vous, mais moi je commence à avoir des micro petits freeze. Surtout quand vous bougez, voilà, quand vous bougez un peu la caméra. Pourtant ça fait pas longtemps qu'on joue, ça doit faire 30 minutes. Voir 40 minutes au plus. On commence déjà à avoir des micro petits freeze. Comme je vous l'avais dit, c'est un peu dommage. Et je ne sais pas de quoi ça pourrait provenir, hein, malheureusement. Ok. Alors nous, c'est toujours vers là-bas, il me semble. Ouais, c'est ça, faut monter encore tout en haut. Alors là, après, on doit prendre à gauche. Et tout droit. Sinon, dans l'ensemble, il est bien ce jeu. Hein. L'histoire est bien faite. C'est pas trop scripté. Vous pouvez quand même aller un peu où vous voulez. Mais ça reste quand même... pas le bon nombre, donc derrière et à droite puis à gauche, sinon ça reste quand même bloqué, hein. Vous pourrez pas aller n'importe où dans cette petite boutique là, on peut pas aller dedans, etc. Et sinon dans l'ensemble l'histoire elle est sympa, très bien fait, très bien organisé, la bande son est très bien, les musiques vont bien ensemble. Non, 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 il est très bien ce jeu. Moi, en tout cas, j'ai très bien apprécié. Ça doit faire à peu près... est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Combien de temps j'ai passé dessus? Non, je crois pas. En tout cas, je vois pas comment je pourrais faire pour trouver ici. J'ai dû passer, je pense, au moins 10 heures. Et en 10 heures de jeu, j'ai très bien aimé en tout cas. Alors, c'est ce bâtiment là, il va falloir trouver un moyen pour monter en haut. Alors est-ce qu'il y a un escalier par-ci, par-là? Ah, voilà, ici. Hop. Ça doit être vers le haut. D'accord, ça doit être par là peut-être. À moins que non. Est-ce qu'il y aurait une petite fissure? Ah, vous voyez, là, il y a une petite fissure. Donc, logiquement, avec la capacité, on peut passer par là. Visiblement, il n'y a rien de spécial. Alors nous, on doit aller plus haut, plus bas. En tout cas, on ne doit pas passer par ici. Donc retournons à l'extérieur. Je suppose qu'il faut aller de l'autre côté par là. Alors, regardons bien.